What the fuck, un requin? Salut tous, salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, parce que voilà, vous savez, en ce moment il y a plein de modes, il y a plein de trucs stylés. Et du coup aujourd'hui les gars, on va s'acheter un truc de fou. Voilà, on va s'acheter un truc vraiment magnifique. Voilà, c'est... Voilà, c'est, je pense que c'est le rêve de tout le monde, mais bon, je pense que c'est impossible, hein, j'ai envie de dire, parce que déjà, ce que je vais acheter, bah, je crois que les constructions, c'est minimum 4 ans, hein, 3-4 ans pour construire ce genre de truc. Et oui, c'est un bateau de croisière, les gars, un bateau de croisière qui va me coûter très très cher, parce que ça coûte 100 millions, mais je me suis fait un petit plaisir, je me suis dit quoi, ce matin, je me réveille, voilà, je vais m'acheter un petit bateau, tranquillement, mais pas n'importe quel bateau, c'est un bateau de croisière, comme je vous ai dit. Donc du coup, les gars, c'est parti, on va se retrouver chez nous tranquillement, on va aller tranquillement au port puisque le bateau nous attend, il a été livré et on va aller voir bah, comment il est, etc. Vous allez voir, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, du coup c'est parti les gars, on est posé actuellement. Waouh, on va se mettre une petite ouais, je vais mettre une petite casquette, une autre casquette, tiens. Voilà, celle-là elle est pas mal, celle-là elle est pas mal les gars. Voilà, on se met une petite casquette tranquillement et du coup on va y aller. Non, franchement c'est pas, on n'a pas une belle vue les gars. J'ai toujours kiffé la maison de Franklin, moi je trouve c'est la meilleure. Voilà, on va se reparler et tout. Bon bah écoutez, hop, on va mettre le point. Le port est juste ici, les gars. Enfin, c'est pas port-port, on va dire. C'est bon, c'est à la fête foraine, quoi. On s'est fait livrer à la fête foraine tranquillement. On va remonter. Je sais pas si je prends shop ou pas. Non, shop, on va le laisser à la maison. Shop, on sait jamais si on est dans le bateau. On n'a pas envie que shop il meure et tout. On va aller tranquillement avec la voiture. Voilà, au calme. Et on va y aller. Et du coup, c'est parti. On se retrouve quand on est à côté. C'est vrai que j'ai mis la vitesse à fond là, attends. What is... Ouh, ok, à tout de suite. Ok les gars, c'est parti, let's go. Regardez-moi ce qu'il y a au fond les gars. Regardez-moi ce qu'il y a au fond. What is this? Ah ouais. C'est ultra méga cheaté. Non mais, déjà, regardez-moi la taille. Alors je vous montre la taille, attendez. On va se poser à côté tranquillement. On va se mettre là sur le côté. Non mais regardez-moi la taille s'il vous plaît. Comparé au yacht de GTA 5, bah, le yacht qu'on peut acheter sur GTA 5, regardez-moi la taille, la différence. Donc ça c'est le yacht, bah, qu'on retrouve tout simplement un peu partout, hein, qu'on peut acheter à 10 millions il me semble. Et ça, 100 millions à côté. Waouh. Je sais pas c'est combien de mètres exactement. Un yacht comme ça, je pense, ça doit être, on doit être dans les... Ouais, je dirais 100 mètres. Hein. 70 mètres, je dirais 70 mètres. Et là, waouh, wow. Je sais pas on a combien de mètres ici exactement, mais ça doit vite chiffrer. Waouh, ouais, non mais c'est magnifique, c'est magnifique. Non mais vous imaginez le nombre de personnes qu'il peut avoir dans un bateau de croisière. D'ailleurs, je sais pas s'il y a déjà des gens entre vous dans les commentaires. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des croisières déjà dans leur vie? C'est le Queen Mary 2 les gars. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en bateau de croisière, je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent. Mais là, actuellement, on est sur le Queen Mary 2. Et regardez-moi, il est bateau de sauvetage et tout. Bah écoutez, on va y aller dedans. Ok, du coup, c'est parti, les gars. On est sur le bateau. Et bah, on va commencer par la présentation à l'arrière. Alors, ce qu'on peut voir à l'arrière, on a déjà, dans un premier temps, une piscine. Wouhou! On va faire un peu longtemps directement. Ah ouais, stylé. On a une première piscine. Bon, ça se voit, c'est un petit bateau joueur tranquille, mais peut-être que celle-ci est un peu plus profonde. Non, d'accord, c'est la même taille. Ah ouais, d'accord, j'ai déjà des gommes les transats. Donc là, on a des transats, hein. Bon, c'est des transats pour bébé, ça. Non, mais regardez la taille, s'il vous plaît. Ouais, c'est des transats pour Olmin, quoi. C'est des transats pour moi. C'est-à-dire que là, la salle, je pense pas qu'il puisse se poser sur ce genre de transat. Hein. À moins que ce soit une piscine, genre pour enfants. Genre, il n'y a que des enfants qui peuvent venir ici. On a une piscine juste là. Ah non, bah non, pareil. Ah, celle-là, elle est un peu plus profonde, je crois. Ouais, elle est un peu plus profonde. On a des jacuzzi. On en a pas mal. Hein. On en a un grand ici. Ah ouais, attendez, je vais me poser dans le jacuzzi. Attendez, parce que quand je saute, j'arrive pas à me poser dedans. Il veut pas se poser. Ah, il y a un truc invisible, je crois, qui bloque. Ouais, il y a un truc invisible qui bloque. Peut-être que dans celui-ci... Non, il y a un truc invisible. Ah, si, non, si. Je veux me poser dans mon... Bon, enfin, dites... Voilà, c'est tout. Je veux me poser dans mon jacuzzi. Tranquillement. Par contre, ouais, les transats, ils sont foutus de nous, là, par contre. Je vais demander à les changer, parce que là, mon client, il vient. Parce que, bon, j'ai acheté effectivement un bateau magnifique. Mais si le client, il vient et il veut se poser sur le transat, bah, il pourra pas se poser. Non, mais regardez déjà la taille comparée à un petit bateau, par exemple.
Regardez les petits bateaux, comment ils sont tout petits. On les voit en tout petit. Donc ça, c'est l'arrière. Voilà, au niveau de l'arrière, comment c'est. Je vais regarder peut-être s'il y a un truc derrière encore. Ok. Il y a quoi ici? Non, il n'y a rien de spécial ici. On va aller sur les côtés, les gars. On va aller sur les côtés. Ah, on a encore un petit étage là. Là, on a un petit étage encore transat. Ok. C'est peut-être pour ceux qui veulent se poser. Parce que là, il y a des chambres, du coup. Là, c'est toutes les chambres et tout. En fait, tu ressors par là, tranquillement. Et là, tu remontes. Hop. Et du coup, on a encore une petite terrasse qui est, bah, qui est pas mal, hein, qui est grande aussi. Non, mais c'est vrai que, en fait, le truc, c'est un immeuble, quoi. Donc là, on a encore des transats. Ouh, attendez, sur les côtés, là. Ouh, on va aller sur les côtés. Du coup, les gars, c'est parti, on est sur le côté. Et comme vous pouvez le voir, il y a chaque appartement. Il n'y a rien de space. En fait, il y a tous les bateaux de sauvetage si jamais le bateau coule. Bon, ce qui est magnifique, c'est qu'il est en train d'avancer. Il y a mon commandant de bord qui est en train de conduire. Mais je peux également conduire, hein. Je crois que je peux conduire aussi. Voilà, on a tous les balcons. Je crois qu'en fait, c'est pour ceux qui ont fait de la croisière, plus t'es proche, je crois, du centre, plus t'es proche des magasins, ou peut-être les balcons, t'as peut-être des bâtiments sans balcon, sans terrasse, qui c'est beaucoup moins cher sans terrasse, je pense. Genre là, bah, t'as la vue mer. Voilà, ça c'est des petites options tranquilles qu'on a mis en place. Et bah, du coup, on va remonter en haut. Alors, du coup, cette fois-ci, les gars, on est au. Bah, on est encore au étage supérieur, les gars. Et on est tout simplement. Alors là, on est au centre, je crois. Ouais, on est au centre du bateau. On est au centre du bateau. Et on a. Oh! Ah oui, là, c'est plus profond, là. On a encore une piscine ici. On a pareil des transats. Alors, par contre, encore des transats miniatures. C'est vraiment abusé, par contre, des transats. Ça, je sais pas ce que c'est peut-être un jacuzzi. Ouais, je crois que c'est un jacuzzi, les gars. Ah ouais, le jacuzzi, il est pas mal. On en a deux, en fait. Un jacuzzi là. Et du coup, de l'autre côté, on a également un petit jacuzzi. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Deux jacuzzi, c'est déjà ça. Du coup, l'entrée par la piscine, c'est par là. Donc, en fait, les gens pourront descendre directement et venir par là. Et ensuite, ils se posent tranquillement juste là. Et ils peuvent se baigner, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, en fait, sur le côté ici, c'est la même chose que l'autre côté. Donc, on a tout ce qui est balcon, etc., etc. Et nous, ce qui nous intéresse ici déjà, alors qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ça c'est un terrain de tennis, je crois. Ouais, c'est un terrain de tennis. Yeah, c'est stylé ça. Petit terrain de tennis en version miniature. Si jamais vous avez envie de faire du tennis sur le bateau, bah vous venez ici tranquillement. Vous faites votre petit tennis au calme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre devant? Est-ce qu'on peut prendre les commandes du bateau? C'est ça la question qu'on se pose. On va tester ça tout de suite. Il n'y a rien de spécial. Ah bah, il y a encore un terrain de tennis là. Et encore un terrain de tennis, on va remonter par là. Ah, voilà. Ok. Oh oui, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal, lui. Alors, on a du coup le bateau. Donc, ça, c'est l'intérieur. C'est le comment. Bah, je sais pas comment on appelle ça. J'irais le commandant de. Le cockpit, non? C'est un truc comme ça. Je sais pas, ça, c'est dans les avions, je pense. Je sais pas comment on appelle ça dans un bateau. Et normalement, je peux conduire. Regardez. Oh oui! Ah oui, ça c'est pas mal ça. Attendez, attendez. Waouh, ouais, je peux conduire, les gars. Je vais voir si, s'il va vite ou pas. Parce que normalement, un bateau de croisière, je sais pas, ça va combien de kilomètres heure. Déjà, ça consomme beaucoup. Mais là, vous avez un peu une vue un peu plus globale du truc. Et effectivement, je suis en train de conduire mon bateau de croisière. Ça, c'est magnifique. Par contre, je sais pas si, si genre. Un jour, vous faites une croisière, vous entendez commandant de bord unwin. Là, je pense que ça craint. Je pense que ça craint pour tout le monde. Alors, si on entend la salle, là, c'est un peu plus. Ça va. On va essayer d'augmenter la vitesse. Ok, les gars, regardez le Queen Mary. J'ai augmenté la vitesse. Ah. Par contre, comment il tourne ce truc? Oh, il a du mal à tourner. Il a du mal à tourner, mais je crois qu'il est en train de couler, non? Oh. Non, 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 c'est comme ça, les bateaux. Il coule là, non, il coule là. Regardez comment je roule, les gars. Waouh, 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 mais je suis en train de me noyer en fait. Non, 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 non. Attends, 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 attends. Si j'arrête de rouler, est-ce que je remonte ou pas? Waouh, c'est cheaté. Non, mais attendez, les gars. C'est-à-dire que là, j'ai pris les commandes.
J'ai fait couler le bateau là. Tout le monde est mort dedans. Il a pas l'air de vouloir remonter. Peut-être que si j'arrête de rouler. Non. Non, regardez, je suis penché vers le bas. Hein. Peut-être que je recule. Ah, ça y est. Il remonte un peu là. Il remonte un peu. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va quitter Los Santos, les gars. On va aller à Las Vegas. Allez, c'est parti. Let's go. Vice City, les gars. On va à Vice City. Mais je sais pas si on va réussir à y aller, les gars. Le bateau, il est en train de couler. Wow, c'est cheaté. Non, mais pourquoi il fait ça? What is this shit? Y'a plus de bateau. Ouais. Alors, c'est-à-dire que là, le bateau a disparu. Comment on peut faire pour le faire? Oh, il remonte. Attention, il remonte. Attention, il remonte, les gars. C'est peut-être parce que j'ai augmenté la vitesse. Je sais pas si c'est ça ou pas. Mais là, il est en train de couler, les gars. Il est vraiment en train de couler. Attends, attends, attends. On va. Comme j'ai envie de partir. Laissez-moi partir, bordel. Bon, bah écoutez. On va sortir du bateau. Ouais. Ah ouais, je suis dans l'eau en fait. C'est-à-dire que là, actuellement, mon bateau est en train de couler. Est-ce que je peux sortir, machin? Non, je suis condamné à rester ici. Je vais me noyer, les gars. Je crois que je vais mourir. What the fuck, y'a un requin? Y'a un requin? Y'a un requin qui a essayé de m'attaquer, les gars. Ah ouais, non, mais c'est tellement improbable, les gars. Ah ouais, il y a un requin qui a essayé de m'attaquer. What is this shit? Ah, t'es comme ça. Ah, t'es comme ça. Bon, les gars, je vais me mourir noyé, je crois. Oh. Oh oui, viens, toi. J'ai pas peur, mec. Oh, je suis en train de me battre avec un requin. Oh, il est mort. D'accord, alors, franchement, celle-là, les gars, magnifique. Un requin qui rentre dans le bateau de croisière et qui essaie de me tuer, elle est vraiment pas mal. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Les gars, c'était la présentation du tout simplement bateau de croisière géant sur GTA V. On cesse là-dessus, on s'est fait attaquer par un requin. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous kiffez, à vous abonner. Et voilà, si vous voulez jouer avec nous sur PS5, n'oubliez pas, ou sur PS4, n'importe. Vous avez le bouton rejoindre pour nous rejoindre et accéder au Discord, etc. de la team. N'hésitez pas, vous cliquez sur le bouton rejoindre, vous avez le lien en description. Ciao, ciao!